Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser un repère et à savoir à quoi il sert. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un point A ici. Je le supprime. Est-ce que quelqu'un est capable de me replacer ce point A exactement au même endroit? Moi, en tout cas, j'en suis incapable. Donc, pour m'aider, je vais utiliser un repère, c'est-à-dire deux droites, une droite horizontale, qui s'appelle l'axe des abscisses, et une droite verticale, qui s'appelle l'axe des ordonnées. Maintenant, chaque point peut être repéré. Par exemple, je prends mon point A, je le place ici, et regardez-le bien, si je le supprime, est-ce que je suis capable de le replacer exactement au même endroit? Eh bien oui, parce que mon point A, il était repéré par le nombre 6 ici, donc il a une abscisse, et par l'ordonnée, le nombre 3. Donc le point A, il est repéré par deux points, 6 et 3, comme dans la bataille navale.